Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanois. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série, aujourd'hui, on traverse l'Atlantique, on part pour les États-Unis avec Lionel Larré. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors Lionel, je vous présente tout d'abord. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, où vous enseignez surtout l'histoire des Amérindiens. Vous êtes l'auteur de nombreux articles sur l'histoire et les représentations des Amérindiens, notamment Autobiographie amérindienne, pouvoir et résistance de l'écriture de soi aux presses universitaires de Bordeaux en 2009, et puis Histoire de la nation Cherokee, toujours aux presses universitaires de Bordeaux en 2014. Vous êtes le co-créateur de la revue Eloi, Peuples indigènes et environnement. Vous avez également dirigé la publication d'un volume des écrits de John Milton Hoskinson, un auteur Cherokee de la première moitié du XXe siècle. Donc là, on a mis les références sur notre site internet à la page de l'émission histoireensérie.com. Vous avez aussi exhumé une biographie notamment de John Ross et qui a également été écrite par Hoskinson, qui doit paraître justement très bientôt au printemps 2022. Et puis, vous avez comme autre fonction, qui est une fonction déjà majeure, vous êtes actuellement, Lionel Larré, président de l'université Bordeaux-Montaigne. Donc je suis ravi, Lionel, de vous avoir aujourd'hui avec moi pour évoquer une série sur les Amérindiens, une série qui s'appelle Reservation Dogs. Alors pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Lionel, cette série, est-ce que vous pourriez faire le pitch ? Oui, merci Nicolas. Alors oui, c'est une série qui n'est pas encore très connue. Hein. Elle a été diffusée là cet automne. Elle est disponible maintenant depuis un mois ou deux sur Disney+. Alors, c'est une série en 8 épisodes, une demi-heure. Donc le pitch, c'est l'histoire de 4 adolescents. C'est focalisé sur 4 adolescents en territoire indien, c'est-à-dire en Oklahoma. Et c'est des ados bon, qui commettent des petits vols, des petits méfaits pour essayer de financer leur évasion, en fait. C'est comme ça qu'ils en parlent, escape, l'évasion d'une vie sans lendemain vers la Californie. Dans le premier épisode, donc, les quatre personnages s'appellent Bear, Willie Jack, Cheese et Elora. Ces quatre ados volent un camion de livraison de chips avec sa cargaison. Ils refourguent le camion à un receleur et ils vendent dans la rue les paquets de chips qu'ils ne mangent pas eux-mêmes, et ils en mangent beaucoup. Dans un supermarché, ils volent des steaks afin de cuisiner des pâtés vendus devant la clinique tribale dans le deuxième épisode. Avec ces quatre personnages, est également présente en quelque sorte l'absence d'un cinquième compagnon qui s'appelle Daniel et qui, je ne révèle rien, on le sait assez vite, s'est suicidé l'année précédente. Et c'est lui, en fait, Daniel, qui avait eu l'idée d'échapper à la vie dans le trou de la réserve rurale. Pour Elora, elle le dit à un moment dans le premier épisode, elle le dit à plusieurs reprises, c'est cet endroit qui a tué Daniel. Avant de continuer l'analyse, Lionel, de cette série, ce serait peut-être intéressant aussi d'évoquer, parce que c'est un fait majeur, les auteurs de la série. Oui, alors les auteurs, l'un d'eux est très connu, l'auteur principal un peu moins. Alors, l'auteur principal, c'est Sterling Harjo, c'est un cinéaste muskogee et séminole. Il a commis plusieurs films, mais malheureusement mal connus parce que mal distribués, des films à petit budget. Il vit en Oklahoma, il a grandi en Oklahoma, là où la série est tournée, dans la nation muskogee. Et Harjo, de ses propres aveux dans les nombreux entretiens qu'il a donnés depuis la sortie de la série, s'est largement inspiré de personnages de son enfance et de son adolescence. Ça n'est pas autobiographique, mais il y a quand même une part très largement autobiographique. Le deuxième auteur et producteur exécutif de Reservation Dogs, c'est Taika Waititi, donc, qui est plus connu du grand public. C'est un cinéaste maori néo-zélandais. Il est auteur notamment de Jojo Rabbit
et de Thor Ragnarok, un très bon opus de la trilogie de Thor. Tous deux sont amis de longue date, ils ont des points en commun qui remontent à leur enfance, ils n'ont pas grandi ensemble bien sûr, mais ils ont grandi dans des communautés autochtones et ont affronté les mêmes difficultés en Néo-Zélande, en Nouvelle-Zélande pardon, et en Oklahoma. Alors ce qui est remarquable dans cette série, la première chose remarquable, c'est la première série télévisée entièrement écrite par des auteurs amérindiens ou autochtones. Et cette année, en fait, c'est un peu une grande année pour les représentations amérindiennes, puisque un peu plus tôt dans l'année, une autre série avait ouvert une nouvelle ère. C'est la série Rutherford Falls, qui repose elle aussi largement sur des auteurs, acteurs, compositeurs amérindiens, mais en partie seulement, alors que là, Reservation Dogs, c'est à 100% amérindien. Quel pourrait être Lionel Larrey quand on regarde cette série, les enjeux de la représentation des Amérindiens dans une série? C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun, hein, notamment si on regarde au cinéma, il y a des relations particulières, hein, entre Hollywood et les Indiens. Alors tout à fait, c'est pour ça que cette série est un petit événement dans l'histoire des représentations amérindiennes, parce que Hollywood a, on peut le dire comme ça, souvent, longtemps maltraité les Amérindiens. Les représentations, si on veut utiliser une expression pour résumer hein, l'histoire des représentations des Indiens au cinéma ou à la télé, on a l'image de ce que l'on appelle l'Indien de l'homme blanc. L'Indien de l'homme blanc, c'est le titre en fait d'un livre majeur de l'historien Robert Berkhofer, un livre dans lequel Berkhofer fait l'histoire de cette invention en fait, puisque l'Indien est une invention, c'est une représentation, une invention de l'homme blanc qui remonte au premier temps de la colonisation, bien sûr, et qui a beaucoup servi la colonisation, puisqu'on représente l'Indien, bon, pour faire vite, comme un être subalterne. Alors à Hollywood, si je remonte aux années 30 ou 40, l'Indien, c'est utilisé comme un ressort dramatique, comme un accessoire, comme un élément du décor. Bon, si je veux citer un exemple archétypal un peu, ce sera, ah ben voyez, ça m'échappe, le cheval de fer de John Ford, un film muet de 1924, si je me souviens bien. Ce sont des films, des westerns le plus souvent, évidemment, puisque Hollywood considère l'Indien comme un homme du passé. Hein, il n'y a plus d'Indien au XXe siècle, on écoute Hollywood. Et donc, ce sont des westerns, et dans ces westerns, les Indiens sont alors soit utilisés comme en effet couleur locale, des ressorts dramatiques, c'est-à-dire l'obstacle qui va se mettre sur le chemin de la civilisation et qu'il va falloir surmonter. Un peu plus tard, en même temps et jusque plus tard, l'Indien devient un peu mieux incarné, mais il est toujours le méchant hein, du film. Là, il y a toute une série d'exemples, alors tous les westerns de John Ford, bien sûr, mais tant d'autres. Le méchant déshumanisé, très souvent, qui s'exprime par onomatopée. Bon, enfin voilà, on a tous et toutes ces images en tête. Et puis, alors c'est John Ford lui-même qui initie une sorte de transition vers un autre type d'image de représentation de l'Indien. C'est l'Indien comme victime. Et c'est John Ford dans Les Cheyennes, Cheyenne Autumn, en 1964, où là, Ford se prend de sympathie, en fait, pour le sort que les États-Unis ont réservé à ces Indiens. Alors, c'est un progrès, on peut dire, mais ça reste un discours très victimisateur et dans ces films, quand même, il y a toujours un peu l'idée que les Indiens ont besoin d'aide en fait. Ils sont victimes parce qu'ils sont un peu victimes de leur histoire. Ils ne sont pas très agents de leur propre histoire.
Même s'il y a beaucoup de sympathie dans ces films-là, on est quand même dans une problématique très qui ressemble beaucoup aux représentations d'avant, hein, c'est-à-dire l'Indien un peu déshumanisé. Le vrai tournant, c'est les années 70, où là, avec Little Big Man, avec Le Soldat Bleu, avec José Wells hors la loi, on a des films qui redonnent un peu la parole aux Amérindiens, qui rectifient un peu l'histoire, des Indiens qui s'expriment un petit peu sur l'histoire qu'ils ont vécue tout au long de la colonisation et jusqu'au 19e siècle. Et alors, encore récemment, la représentation des Amérindiens à Hollywood est parfois sujet de controverse. Et ces dernières années, c'est Johnny Depp, par exemple, qui a été l'objet d'une controverse puisqu'il a été casté, distribué dans le rôle de Tonto dans The Lone Ranger. Johnny Depp n'est pas un acteur amérindien, ou en tout cas, il a eu du mal à défendre qu'il avait des origines amérindiennes. Et là, c'est un autre type de controverse qui a émergé à Hollywood et surtout dans la communauté des acteurs amérindiens et des militants amérindiens. C'est en fait que les rôles intéressants, les rôles d'indiens intéressants, sont en fait donnés à des acteurs non amérindiens. Donc en fait, au final, pour résumer, il y a deux pans d'une polémique autour de la représentation des Amérindiens. Soit les acteurs amérindiens sont distribués dans des rôles insignifiants, victimes, les méchants, les accessoires, etc. Ou alors les rôles très intéressants d'Amérindiens sont donnés à des stars non amérindiennes. Et les acteurs amérindiens, eux, sont relégués à des seconds rôles. Et dans Reservation Dog, Lionel Larré, comment est-ce que les Amérindiens sont représentés? Et justement, parce que les Amérindiens, c'est quelque chose au sens très large, c'est quelle culture exactement on voit à l'écran? Alors voilà, ce qui est intéressant dans Reservation Dogs et puis dans quelques films comme ça réalisés par des Amérindiens mais qui malheureusement sont des films pas très connus parce que pas bien distribués, avec l'exception peut-être en 1998 d'un film qui s'appelle Phoenix Arizona en français. Le titre original, c'était Smoke Signals. Ce sont des représentations. Déjà, le premier tournant par rapport à ce que faisait Hollywood habituellement, c'est des Indiens du 20e siècle et du 21e siècle. Et ça a l'air de rien, mais c'est en fait assez révolutionnaire, puisque même un film comme Danse avec les loups, hein, qui est pourtant un film plutôt sympathique envers les Indiens, finit sur un encart, un texte qui dit c'est à ce moment-là, en 1890, là où se finit le film, que la culture Lakota et des Indiens des plaines s'achève. Et en regardant ce film et en lisant cet encart, on a l'impression que ça y est. Les Indiens ont disparu et qu'ils n'existent plus au XXe siècle. Donc là, Reservation Dogs, premier élément d'une représentation vraiment radicalement différente, c'est qu'on a des Amérindiens, des ados amérindiens qui vivent aujourd'hui et qui finalement ont les mêmes problématiques que tout ado. On reviendra là-dessus. Quelle culture particulière est représentée? Alors ça, c'est intéressant aussi. J'ai dit que Sterling Howard Joe, l'un des auteurs, était Muscogee et Séminole. Mais en fait, les personnages ne s'identifient jamais clairement à une tribu, à une nation amérindienne. Donc, il y a vraiment le sentiment de. Je pense que vraiment, c'est exprès que sans vouloir généraliser et homogénéiser des cultures qui sont parfois très, très différentes, en fait, les auteurs n'ont pas voulu associer, donner au personnage une citoyenneté tribale bien précise, parce que justement, la culture qui est représentée, c'est surtout
aussi, il y a une culture moderne, états-unienne. Il y a des références culturelles que tous les ados, au moins tous les ados aux États-Unis, et pour certaines références, tous les ados ailleurs, peuvent comprendre. L'un des personnages, par exemple, Cheese, est féministe, et il tient un discours envers ses amis très féministe, et à chaque fois qu'il se présente à quelqu'un qui ne le connaît pas, il cite ses pronoms. Voilà, I am Cheese. Mes pronoms sont he, him et his. Donc, c'est des moments comme ça assez drôles. C'est une culture moderne, une culture, certes, amérindienne. Alors, Muscogee, on va le dire comme ça, puisque l'auteur est Muscogee, mais surtout une culture états-unienne. Il n'y est pas question, évidemment, de communion avec la nature, comme on pourrait imaginer le cliché. Même s'il est positif, mais le cliché quand même qu'on associe aux Amérindiens. Il n'y a pas de nostalgie pour un passé révolu. Les personnages vivent dans un présent bien réel en Oklahoma. Ils sont des classes populaires. Il y a des tas de références à de la musique populaire. La bande-son mélange des artistes amérindiens, y compris des rappeurs amérindiens, mais aussi des chansons rock et country. C'est-à-dire country, une musique bien ancrée en Oklahoma. Il y a des références à Batman, Cheese compare l'histoire du flic qui est un peu comme ça l'adversaire de ces quatre ados qui s'appelle Big, et il compare son histoire à l'histoire des origines de Batman, Batman tel qu'il a vu dans les films, hein, évidemment, même si finalement il est ironique et il conclut que non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même calibre. Dans l'épisode de Dans un épisode où le personnage de Willie Jack part à la chasse avec son père, Willie Jack se met une peinture de guerre. Bon, là, on est dans le cliché un petit peu guerrier, 19e siècle. En fait, c'est une peinture achetée, comme elle le dit, au magasin d'Halloween, au magasin de costumes. Donc là, on a toujours un décalage, en fait, et les auteurs jouent sur ces clichés. On a l'air de partir parfois comme ça dans les grands clichés de la représentation des Indiens, mais ils sont toujours pris, présentés en porte-à-faux, et ils sont comme ça déconstruits, en fait. Lionel Larré, quand on regarde Reservation Dogs, vous l'avez dit, hein, disponible sur Disney+, on se rend compte que c'est une série qui fait de nombreuses références à des auteurs, à des films, à des réalisateurs même, une série qui est au cœur de la pop culture états-unienne, en tout cas on va dire, depuis les 20 dernières années. Alors, tout à fait. D'ailleurs, Arjo, le réalisateur, enfin le créateur, Sterling Arjo, parle vraiment d'une célébration de la culture pop, c'est-à-dire la culture dans laquelle il a grandi. Les références y sont nombreuses. Il y a des tas de clins d'œil. Je suis sûr que je l'ai regardé déjà 3-4 fois cette série, mais je pense que je ne les ai pas tous perçus. Alors on peut citer comme ça, alors évidemment le plus évident c'est Tarantino, puisque Reservation Dogs fait référence au premier film de Tarantino, Reservoir Dogs, donc le titre est une référence. Il y a également une scène où les quatre personnages dans le premier épisode sont habillés de costumes cravates noires, donc comme dans Reservoir Dogs, pardon. Une scène également dans un épisode suivant où trois des personnages ouvrent un coffret et ont le visage illuminé par une lumière dorée, qui est une référence, un clin d'œil direct à Pulp Fiction. Il y a également des références, il y a un clin d'œil dans l'épisode 5 qui s'appelle Come and Get Your Love, qui le titre lui-même est une référence à une chanson pop, mais je reviendrai là-dessus. Il y a une scène tournée devant un cinéma, et sur la devanture du cinéma, il y a quatre titres de films. Et là, alors c'est des références qu'un public non initié peuvent avoir du mal à percevoir, mais les quatre titres de films sont tous des films réalisés par des Amérindiens, des films à petit budget, dont un, Barking Water, a été réalisé par Sterling Arjo lui-même, donc là il se fait plaisir, et puis un autre film, Drunk Town's Finest, était réalisé par l'un des auteurs, des scénaristes de Reservation Dogs, Sidney Freeland. Il y a une référence très évidente aussi à Platoon,
lorsque dans le premier épisode, nos quatre amis se font tirer dessus par une bande rivale avec des fusils à peinture, des paintballs. Et là, Bear, l'un des quatre ados, meurt de façon très, très théâtrale, comme sur l'affiche en fait de Platoon. Il y a également la présence dans trois épisodes des acteurs Gary Farmer et Wes Studi, qui, alors les noms ne diront peut-être rien à nos auditeurs, mais leurs visages sont reconnaissables parce que c'est en fait les deux acteurs amérindiens probablement les plus connus d'un large public, car ils jouent à peu près tous les personnages amérindiens d'Hollywood depuis quelques années. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont accepté, donc c'est un peu des stars hein, en quelque sorte, qui ont accepté de jouer dans cette série. Et la série quelque part se les réapproprie, c'est-à-dire que Hollywood s'était emparé de ces deux grands acteurs amérindiens, et souvent pour jouer des personnages un peu clichés, même si c'est pas vrai de tous les rôles qu'ils ont joués. Et là, la série se les réapproprie et les tourne un peu en dérision. Il y a des moments très drôles avec ces deux acteurs-là. J'ai mentionné Come and Get Your Love. Ça, c'est un tube. C'est une chanson pop des années 70 qui a connu récemment un deuxième succès grâce au film Guardians of the Galaxy, dans lequel, au début de Guardians of the Galaxy, le personnage interprété par Chris Pratt, Star-Lord, écoute cette chanson alors qu'il explore une planète au début du film. Et c'est une chanson qui aussi est très connue d'un public français parce que un des opérateurs de téléphonie bien connu l'a utilisée dans une pub récemment. Mais en fait, ce tube, Come and Get Your Love, c'est un tube de Redbone, un groupe entièrement amérindien des années 70. Et là, Arjo, en quelque sorte, se réapproprie également ce tube et l'intègre complètement comme la culture amérindienne des jeunes amérindiens d'aujourd'hui aux États-Unis. Yoann Larré, vous qui connaissez de par vos études très très bien les Amérindiens, les différentes nations amérindiennes en tout cas, comment a été reçue cette série parmi eux? Parce que pour une fois, vous l'avez dit, hein, on est sorti des clichés d'Hollywood, on a une série sur les Amérindiens, sur leur quotidien à travers ces adolescents, vous l'avez répété, et des gens aussi, c'est très intéressant, on le voit bien, ce n'est pas du folklore, on est dans la réalité, dans la, j'allais dire, vie actuelle. Ça aussi, c'est intéressant pour bien montrer, on est loin des clichés que les Indiens avec les plumes qui dorment dans des tipis, par exemple. Alors, tout à fait. Et il y a une... Alors, de ce que je peux en juger d'ici, hein, depuis la France, je ne suis pas allé aux États-Unis récemment et pas pendant la sortie de cette série, la diffusion de cette série, mais de ce que je peux en juger bien, sur les réseaux sociaux et notamment sur les comptes de militants ou d'intellectuels amérindiens, il y a une véritable appropriation de la série et c'est un peu sur le mode... enfin une série qui nous représente. Voilà, je pourrais vous citer plusieurs comme ça auteurs militants qui disent nous avons enfin notre série, nous avons une série qui célèbre qui nous sommes. Une intellectuelle universitaire qui dit à quel point il est important que les Native Americans, les Amérindiens se voient aujourd'hui représentés par eux-mêmes à la télé. Y a vraiment un enthousiasme autour de cette série parce que il y a une très très longue attente en fait de représentation au cinéma ou à la télé qui soit des représentations entre les mains des Amérindiens eux-mêmes qui en ont assez de se laisser définir par des non-Amérindiens de façon stéréotypée et souvent sentimentaliste. Donc là, il y a un engouement vraiment par ce public-là. La série, pourtant, évidemment ne vise pas simplement un public amérindien, mais touche tous les publics et je peux certifier par expérience, parce que bon, moi encore, je m'intéresse à tout ce qui touche aux Amérindiens, mais je l'ai montré à des amis et à une ado qui vit chez moi et qui a totalement adhéré à cette série.
C'est un large public qui adhère en fait parce que eh bien bon parce que c'est une très bonne série, très bien réalisée, très drôle. On ne comprend pas toutes les références, on ne comprend pas toutes les blagues, mais même ce que l'on ne comprend pas procure un certain plaisir parce que on est intrigué, on est curieux, on a vraiment le sentiment de voir un tout organique, cohérent avec la communauté dans laquelle on est introduit en fait à travers ces personnages. Et parmi les éléments justement qu'on ne comprend pas, il y a ce mélange d'éléments surnaturels qui interviennent dans le réel. Et ça, quand on est amérindien et quand on est culturellement très au fait de qui on est, bon, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Pour nous, c'est un peu différent. Et là, on a des éléments comme ça qui surgissent. Que l'on ne on ne comprend pas vraiment, hein, forcément, lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on est européen, par exemple. Et les créateurs se sont un petit peu amusés à ça, à cacher en fait ce que l'on appelle en anglais des Easter eggs, des œufs de Pâques, à cacher ces œufs de Pâques pour un public amérindien, des références que seuls les Amérindiens et encore peut-être pas tous seraient à même de comprendre. Alors il y a une chouette, par exemple, à l'extérieur de la maison, une chouette empaillée à l'extérieur de la maison d'un personnage qui a les yeux floutés, hein, comme si on voyait. Voilà, un sexe ou une nudité. Non, là, c'est les yeux de la chouette qui sont floutés parce que il faut comprendre que ça porte malheur, en fait, lorsqu'on est issu de certaines cultures amérindiennes, de regarder, de croiser du regard une chouette ou un hibou. Il y a un personnage un peu mythique, totalement mythique d'ailleurs, qui s'appelle Dear Lady. La femme sert. Il y a une figure énigmatique dans les bois avec des yeux rouges brillants dans l'épisode de la chasse. Et il y a comme ça une perméabilité entre le monde physique et le monde spirituel. Il y a des apparitions. L'un des personnages, Bear, a des visions et il a un personnage qui lui apparaît un peu pour le guider, qui joue le rôle d'un mentor. C'est un personnage de guerrier du 19e siècle, qui apparaît comme ça à des moments clés. Finalement, ça perturbe un peu le spectateur qui n'est pas habitué, qui est un peu surpris, parce qu'après tout, il ne regarde pas une série de science-fiction ou fantastique, mais on a vraiment le senti. C'est tellement présenté comme normal qu'on a vraiment le sentiment de découvrir quelque chose de totalement différent. Et puis on est sur la plateforme Disney+, hein, plateforme, on va dire, de séries familiales par excellence. Donc on est face à une série, vous l'avez dit, hein, qui est destinée à tout public. Et c'est une série aussi qui fonctionne, à mon avis, Lionel, vous allez me dire peut-être le contraire, mais qui fonctionne parce qu'il y a un certain humour, parfois décalé, mais en tout cas un certain humour que d'ailleurs qui touche tout le monde. Vous l'avez bien dit, hein, c'est pas une série que à destination des Amérindiens, loin de là, mais qui propose un nouveau regard sur eux et un regard qui est parfois d'ailleurs, vous l'avez dit, peut-être triste. On va reparler de thématiques après parce que ça aborde beaucoup de thématiques. Mais l'une des bases de cette série, Reservation Dogs, c'est Lionel Larré, l'humour. Alors tout à fait, et c'est un des aspects que les Amérindiens trouvent vraiment important, c'est qu'ils soient représentés comme ils sont, et avec leur complexité, avec leurs problèmes, parce qu'effectivement c'est une série qui aborde un certain nombre de problèmes, mais aussi beaucoup avec leur humour. Et l'humour, c'est une dimension très très importante dans les cultures amérindiennes et très important encore aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'autodérision. Alors l'esprit guerrier que j'évoquais plus tôt là, qui est l'apparition, la vision de l'un des personnages, il se présente au premier épisode et puis alors il est habillé comme un guerrier, il arrive à cheval et il se présente. Il a participé à la bataille de Little Big Horn en 1876, une bataille majeure, hein, dans l'histoire des Amérindiens, puisque c'est une victoire en fait pour les Sioux, et c'est lors de cette bataille que le général Custer a été abattu.
Alors, il dit qu'il était à la bataille, enfin, qu'il a participé à la bataille, et puis il dit, bon, enfin, participer, pas tout à fait. J'ai vu Custer, là, je l'avais vraiment en ligne de mire, et puis j'ai galopé vers lui, et mon cheval a trébuché dans le trou d'un spermophile, c'est une sorte d'écureuil terrestre, et le guerrier, en fait, est mort écrasé par son cheval. Ça, c'est quand il... C'est pour, il explique ça pour répondre à la question de Bear qui lui dit, mais est-ce que vous êtes Sitting Bull ou Crazy Horse? Et question à laquelle le guerrier répond, ah non, non, je suis pas l'un de ces super gars, moi je suis un peu, comment dire, un peu le soldat inconnu. Donc là on est à plein dans la déconstruction des clichés et de l'héroïsme amérindien. Alors, il y a parmi les autres moments d'autodérision, il y a un rappeur, le personnage d'un rappeur amérindien qui fait un rap qui vous reste dans la tête sur le fry bread. Alors, le fry bread, c'est une sorte de pâtisserie très grasse, typiquement amérindienne. Il y a des moments d'anthologie avec l'acteur Gary Farmer dont je parlais tout à l'heure, mais là, je ne peux pas trop en dire parce que je vais vous gâcher la fin du dernier épisode. Donc, beaucoup d'autodérision, un humour dans l'ensemble très subtil, c'est pas des blagues lourdingues, c'est pas des dialogues forcément ciselés, mais un humour où on ne l'attend pas et qui permet d'alléger en fait des situations émotionnelles parfois tendues. Et puis évidemment, il y a un humour au détriment de l'homme blanc. Alors, ce n'est pas un humour très violent, hein, ce n'est pas revanchard, ce n'est pas revendicatif. C'est souvent un humour tendre avec deux personnages comme Kenny Boy et Coach Bobson qui sont des personnages blancs, mais qui sont un peu acceptés, qui sont totalement acceptés en fait par les communautés amérindiennes où ils évoluent et dont on se moque gentiment. Par exemple, Coach Bobson, il donne le permis de conduire à Elora et il a connu la mère d'Elora lorsque celle-ci et avant que celle-ci ne décède dans un accident de voiture lorsqu'Elora était très jeune. Et il explique Bobson à Elora que son amie, la mère d'Elora, lui avait donné le surnom, faut que je retrouve là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Chugochi, et qui lui avait dit que ça voulait dire grand guerrier blanc. Et en fait, Elora lui apprend que non, ça veut dire cuvette de toilette, en fait. Donc là, on se moque gentiment de Bobson. Il y a aussi, au détriment de l'homme blanc, un humour un peu plus sardonique, avec par exemple cette scène dans les bois, dans l'épisode de la chasse, où on entend un dialogue entre deux Texans, on sait que ce sont des Texans, et c'est un dialogue qui est assez incohérent, c'est des mots comme ça. Et ces mots qui se répondent, c'est que des clichés très conservateurs, très conservateur. Le dialogue ne veut rien dire, il n'y a pas de phrase toute faite, mais on parle de cancel culture, on parle de wokisme, on parle des gays de façon très péjorative, et là on a une image en un dialogue brillant de 20 secondes, on a une image du conservatisme états-unien. Donc voilà, il y a cet humour qui est présent tout le temps, qui traverse tous les épisodes, et qui permet, oui, d'alléger un petit peu des thèmes beaucoup plus sérieux et parfois très, très émotionnels. Oui, c'était une question des thématiques, on va l'aborder maintenant, Lionel, parce que c'est une série, on le dit depuis le début de cette émission-là, qui parle, vous l'avez dit, des États-Unis, est une partie de la société amérindienne, en tout cas, de la société états-unienne, hein, puisque les Amérindiens représentent combien, Lionel, environ 1% de la population? Oui, c'est de l'ordre de 1,5%, oui. Oui, donc c'est des thèmes qui quand même résonnent dans les oreilles et dans les yeux, dans les cœurs aussi de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'Américains. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, Lionel? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, comme thèmes principaux dans cette série? Alors, il y a des thèmes assez universels, hein, et c'est pour ça que c'est une série qui parle aussi... un public tout à fait
multiculturel et non amérindien. Bon, il y a le thème de l'adolescence, évidemment. L'histoire est une coming of age story. Hein, c'est une histoire comment on dit ça en français, ah, ben voyez, des adolescents qui passent un rite de passage, quoi, qui deviennent adultes. Voilà, coming of age, c'est ça, hein, c'est devenir adulte. Ça, c'est évidemment un thème universel. Hein, c'est pas la série qui invente ça, ça se retrouve partout, puisqu'on nous raconte donc l'histoire de quatre ados bien, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent à échapper à ce qu'ils croient être un carcan façonné par leurs parents, qui ont des grandes aspirations, etc. etc. Alors cette évasion du quotidien, c'est un thème assez universel pour des jeunes ados. Et justement, on pourrait le résumer, ce thème-là, par une phrase qui est tirée d'un des films que j'ai cité plus haut, Drunktown's Finest, dont l'auteur est l'un des scénaristes de Reservation Dogs. Et dans ce film-là, il est dit à un moment, à propos de la réserve du territoire sur lequel vivent les personnages, « This place is not a place to live, but a place to leave ». Donc, pour les non-anglophones, il y a une nuance là entre « live », habiter, et « leave », quitter. Donc, cet endroit, ce n'est pas un endroit que l'on habite, mais un endroit que l'on quitte. Et c'est exactement ça, en fait, Reservation Dogs, le discours que tiennent ces ados, au moins une grande partie pour une grande partie de la série, c'est ça. Il faut quitter cet endroit qui a tué Daniel, selon Elora. Il faut quitter la réserve, car on s'y sent limité, on est sans avenir, et comme je le disais plus tôt, c'est Daniel, le personnage, l'ami suicidé, qui a eu le premier cette idée-là de partir en Californie pour échapper à ce quotidien. Malheureusement, lui a choisi une façon beaucoup plus radicale d'échapper à ce quotidien, c'est le suicide. L'un des thèmes très 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 dur et important de la série, c'est le suicide, puisque l'un des personnages, Daniel, en a été victime. Alors c'est un thème qui pèse très lourd pour les publics amérindiens. Alors malheureusement pas seulement, mais il se trouve qu'aujourd'hui aux États-Unis, les réserves amérindiennes connaissent des taux très élevés de suicide, dont les causes sont multiples, bien sûr, mais toutes liées malheureusement à une certaine misère sociale. Et l'un des critiques de la série, l'intellectuel universitaire Cliff Taylor, souligne à quel point il est presque guérisseur de voir ce thème traité par des Amérindiens eux-mêmes avec la subtilité avec laquelle ils traitaient. Devery Jacobs, qui est l'actrice qui interprète Elora, dans un entretien au Time, a souligné à quel point elle a été touchée par la façon directe mais subtile avec laquelle le problème du suicide qui touche tant de communautés autochtones est traité dans Reservation Dogs. Elle explique que l'on entend les chiffres, bien sûr, les statistiques, mais qu'on n'a jamais l'occasion de voir la vie de ces personnes qui se suicident et de celles et ceux qu'elles laissent derrière elles. Et c'est ce que donne à voir Reservation Dogs. Il est significatif d'ailleurs qu'un avertissement apparaît au début de l'épisode qui s'appelle California Dreaming et qui représente en fait la scène du suicide. Il y a un avertissement, ainsi qu'à la fin, il y a un numéro d'urgence de prévention du suicide. Les auteurs savent que le sujet vraiment va toucher au cœur de nombreux spectateurs. On a évoqué aussi tout au long de cette émission une autre thématique essentielle qui parle à beaucoup d'Américains et surtout à beaucoup d'Amérindiens, c'est la thématique de la famille. On est, on l'a dit aussi, sur une chaîne, en tout cas sur une plateforme familiale, Disney+, la famille au cœur de la série Reservation Dogs. Tout à fait. C'est traité de façon aussi très intéressante et peut-être un peu différente de ce que l'on peut voir ailleurs, mais très ancré culturellement. L'une des raisons qui pousse Daniel au suicide est que, alors c'est juste suggéré, mais très clairement quand même, la violence conjugale règne à la maison.
Donc là, très clairement, il y a une famille qui ne fonctionne pas. Le père de Bear, un autre des ados, est absent. C'est un rappeur en Californie. Il n'est pas fiable. On ne peut pas lui faire confiance. Il ne se pointe pas comme prévu pour rendre visite à son fils. La mère d'Elora est morte dans un accident de voiture alors qu'Elora était toute petite. Elle avait 3 ans. Cheese, le quatrième de nos ados, vit avec son oncle et adopte une grand-mère aveugle à la clinique, lui laissant croire qu'elle est son petit-fils. En fait, dans Reservation Dogs, les familles biologiques normées ont vraiment du mal à exister. Et donc, on se reconstruit des familles de cœur, même si certains de ses membres peuvent également être de sa famille biologique. Oncle Brownie, par exemple, qui est le personnage incarné par Gary Farmer, dit à Elora que sa mère l'appelait mon frère, même s'il n'était pas son frère de sang. De la même façon, Elora l'appelle oncle. Et Oncle Brownie lui dit, That's real family, ça c'est la vraie famille, c'est-à-dire la famille qu'on choisit. Quand Cheese dit à sa fausse grand-mère qu'il n'est pas vraiment son petit-fils, elle lui répond, Bien sûr que tu es mon petit-fils, même si tu ne l'es pas. Donc cette famille choisie, c'est un thème important parce que c'est cette famille qui constitue le foyer, ou mieux en fait, ce qu'on dirait on dirait en anglais que ça constitue le home, hein, c'est-à-dire c'est pas home, c'est pas que la maison, c'est pas que le foyer familial. Home a presque un sens synonyme de famille en quelque sorte, parce que le mot anglais de home dit bien plus que le foyer. Il dit la terre, il dit le territoire, comme dans homeland, c'est-à-dire on pourrait presque parler de terroir, et donc il dit bien là où sont ancrées nos identités. Et dans cette famille et sur cette terre, ce territoire qui forme un home, il y a un ancrage identitaire, culturel, il y a des mentors en charge de la transmission culturelle vers les nouvelles générations, et c'est là les rôles que joue par exemple l'oncle Brownie, à qui les Res Dogs demandent de leur apprendre comment devenir des guerriers afin de pouvoir se battre, apprend à chasser à Daniel et Willie Jack, mais apprend surtout à sa fille qu'elle ne pourra pas trouver en Californie ce qu'elle a ici, c'est-à-dire une famille. Il y a le coach Bobson que j'ai mentionné qui apprend à Elora les circonstances de la mort de sa mère qu'on lui avait toujours cachée et qui joue un peu le rôle comme ça de mentor pour Elora. Et inversement, il y a l'ado Elora qui apprend à son ancien coach que le surnom que lui donnait sa mère ne voulait pas dire ce qu'il pensait. Et c'est ça en fait qui fait véritablement communauté dans la série, c'est quand non seulement les adultes prennent soin des jeunes et jouent un peu les mentors pour eux, mais aussi quand les jeunes prennent soin des adultes en retour. Et puis, c'est aussi une série destinée aux ados, une série destinée aussi à montrer un passage clé dans l'histoire d'une vie, hein, c'est celui du passage à l'âge adulte. Là, on est aussi au cœur de ce que représente la série, Lionel. Tout à fait, tout à fait. Des scènes sont représentées qui pourraient comme ça faire écho à tout ce que les ados ont pu traverser, mais elles sont à chaque fois un petit peu détournées. Et je pense notamment à une très jolie scène où Bear fouille dans le sac de sa mère, Rita. Il prend le portefeuille et on s'attend évidemment à ce qu'il pique de l'argent à sa mère comme tout ado est susceptible de faire. Mais en fait, il glisse de l'argent dans le portefeuille de sa mère qui s'apprête à sortir avec ses amis. Willie Jack, de la même façon, prend soin de ses parents lorsqu'elle glisse à son père le jour de leur anniversaire de mariage. Elle glisse à Léon, son père, un cadeau pour qu'il le donne à sa mère. Et c'est un moment aussi, cette adolescence, où ces personnages font connaissance un petit peu avec certains aspects de leur culture qu'ils ne connaissent pas. Et comme je disais plus tôt, pas forcément une culture seulement amérindienne, mais bien états-unienne. Et lorsque
lorsque Big, le personnage du flic, initie Cheese à Redbone, le groupe pop dont j'ai parlé plus tôt, et que Cheese ne connaît pas, Big lui répond « Mais tu devrais connaître, ça fait partie de ta culture. » Et à la fin de l'épisode, Cheese adhère totalement. Et donc là, le thème de la transmission, qui est fondamental à ce thème du « coming of age », fonctionne parfaitement. C'est la transmission d'une identité, d'une culture, ce qui est révolutionnaire en fait dans la série, et c'est dû à une représentation des Amérindiens par des Amérindiens, c'est que la culture transmise comprend une chanson pop des années 70 et pas seulement les mythes et légendes d'un passé immémorial et révolu. La destination rêvée, bien sûr, c'est la Californie, parce que c'est le rêve américain. Willie Jack explique à son père qu'elle veut aller là-bas pour réaliser son rêve, devenir ce qu'elle veut. Et là où la série traite ça avec humour, c'est que ce qu'elle veut devenir, c'est soit une combattante MMA mortelle, ou une chef étoilée, ou une éducatrice canine, c'est-à-dire des choses qu'on associe peu à la Californie. Et là, Léon lui répond ben, que c'est bien mieux ici, en fait. Là où elle est, et il lui dit « C'est chouette ici, il y a plein de trucs à faire ici, manger du poisson-chat, se balader et regarder des trucs. » Donc, il ne sait pas trop quoi lui dire, mais pourtant, ce n'est pas une blague. Pour lui, c'est très important. Il donne une définition de « home » qui inclut la famille, y compris la famille choisie. Les gens n'arrêtent pas de partir d'ici, il lui dit, mais ils reviennent toujours parce que c'est là que sont les leurs, c'est chez eux. « This is their home ». Daniel, lui, l'ami suicidé l'année précédente, ne le voyait pas ainsi malheureusement. Et Willie Jack répond à son père, « Peut-être que si Daniel était parti, il serait toujours là », dans cette très belle phrase, « Maybe if he'd left, he'd still be here ». Et donc, d'épisode en épisode, quand même, ces moments de dialogue avec les plus anciens commencent à percoler, et les personnages apprennent à reconsidérer leur réserve comme un lieu d'épanouissement, de revitalisation culturelle et identitaire, et non plus comme une impasse. Et dans le dernier épisode, Willie Jack décide de rester, comme d'autres personnages, alors je ne dis pas lesquels, mais même celles et ceux qui partent, on sent bien qu'ils ne sont pas très à l'aise à partir, et on ne sera pas surpris de les voir revenir dans la saison 2. Lionel Larrey, merci beaucoup pour cette évocation de la série disponible sur Disney+, hein, Reservation Dogs, où on a évoqué ensemble pendant toute cette émission le peuple, ou les peuples en tout cas amérindiens, c'est vrai, qui ont longtemps été un peu les oubliés, ou en tout cas les mal vus, hein, de la cinématographie américaine. Et là, cette série permet de recentrer un certain nombre de choses dans une vie, hein, actuelle. Ça aussi, c'est très intéressant, montrer que leur vie, leurs préoccupations, vous l'avez très bien dit tout au long de l'émission, ne sont pas si éloignées que celles des autres Américains d'ailleurs. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative, Lionel, que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com, qui permettra à celles et ceux qui voudraient aller plus loin que l'émission de se renseigner et de découvrir peut-être d'autres aspects de la culture amérindienne. Vous nous retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter avec le @histoireensérie et le groupe Facebook Histoire en série, qui vous permettra d'être tenu au courant de notre actualité assez riche dans ces derniers mois, notamment avec la série d'émissions que l'on a réalisée autour de Game of Thrones. Alors, vous nous retrouvez aussi sur notre partenaire nonfiction.fr, site internet qui partage l'actualité à la fois littéraire et culturelle, et vous avez à chaque fois le résumé de l'émission et les liens pour aller écouter les émissions vers toutes les plateformes de podcast, YouTube et Spotify. Lionel, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle émission. Merci à vous, Nicolas. À bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, but the lights are by your street.